peut être très fort. Hein. Du coup, la compo. Je vais partir auto-attaque. 5, 4, 3, 2, 1. Si, t'as mis le froc. Le combat commence. Putain, j'ai oublié de changer. J'ai oublié de changer de personne. Depuis tout à l'heure, il y avait Virus qui joue et j'ai oublié de changer. My bad. De la pourriture. Il est con, il a. Ah oui, non, d'accord, il avait. J'ai rien dit. J'ai cru qu'il avait eux en fait avant. My bad. Qu'est-ce qu'il fait, lui? D'ordre les choses et rien de plus. Allez-y. Voilà, ça m'a permis de dodge ça, par contre je suis pas bien là. Ça m'a permis de dodge mais je suis pas forcément bien. Je vais tuer Caliban par contre. Ah non, c'est bon. J'ai plus de mana, j'ai les CD mais j'ai plus de mana. Donc là je vais attendre mon mana pour avoir le Z. Ah, je suis mort. Ah, dégage. Ceci contrarie les machines. Le Z ou pas hein? Contemplez le germe de la haine. Ouais, le Z. Perma Z, ouais, c'est fort. Mephisto Tsunano, je pense que c'est très fort. Surtout avec le 16. Parce que c'est des dégâts magiques en fait sur les tics de dégâts d'auto. Donc ça se renforce aussi par le nano. Ah, tu vois, je sais pas si tu comprends, Paladin, pourquoi, mais genre. Faire un truc sous tous les buffs pour mettre un anneau, c'est rigolo une fois, mais t'as 120 secondes de CD dessus quoi. Et en plus, ça veut dire qu'au 13, tu prends pas ça, parce qu'à la limite, si tu veux faire ça, ça veut dire réduction de CD. C'est pas fou quoi. Lui, il a pas l'air le. Pourquoi j'ai pas de shield là? The fuck? Non! Le A est parti dans le. Ah, le A est parti de mon autre truc et pas de. Pas de celui-là. Ah, je suis au fond. Salut. Putain, vous avez vu ou pas? Le A est pas parti. Et il faut le lancer vraiment avant le E parce que sinon la fin est partie sur le. Je l'avais tué sinon putain. J'allais faire un truc trop bien, j'allais faire E A. Et en fait le A est parti de mon premier endroit en fait. C'est triste. En fait c'est impossible de savoir combien de temps il a tout le Z puisque c'est 14 secondes mais à chaque touche de héros ça réduit donc compliqué de savoir quand est-ce qu'il l'a. Ouais il est slow, nice. Oh putain. Excellent. Ah, dégage. KS. On le in. On a le gameplay limiting. Je in. Et le E du coup réduit le temps de recharge de mes sorts. Ça c'est cool.
Je sais pas si vous avez remarqué, il y a une... j'ai l'impression qu'ils ont rendu beaucoup plus fluide les animations de Mount. J'ai l'impression qu'ils ont rendu... Nice. C'est pas mal pour suivre ton équipe aussi, hein. Est-ce que je teste l'autre ult? Il y a un Genji et tout. Non, là, c'est... je vais tester à un autre, à une autre game. Là... Oh putain. J'ai pas mon E. Oh. Oh, j'ai pas mon E. Ouais, tout est devenu plus fluide, j'ai l'impression. Oh, oh Arsa. Oh, il a dodge le Colossus, c'était pas mal le jeu de sa part. Je sais pas si vous voyez, regardez la barre, elle est beaucoup plus fluide. Après ça marche que sur les héros mais bon, c'est toujours cool. C'est juste une illusion. Sans contrefaçon. C'est moi. Par contre je sais pas, bon, je pense qu'ils m'entendent. C'est moi où le hook a fonctionné sur Chacal, ce qui normalement ne fonctionne pas. Par contre lui il a l'air, je pense que c'est un débutant lui. Oh putain, il est cher. La barre est beaucoup plus vide, oui. Notre ennemi se cache ici. Oh le pot, il s'est fait tomber. Le mec il a pris 50% PV par les araignées. Il prend. Ah, c'est terrible, le pauvre. Oh le pauvre. Le pauvre, il s'est fait terroriser. Ah, ce genre de combo par exemple que vous voyez sur LoL avec Karthus. Oh dommage. C'est salaud, mais on voulait pas qu'il cancel. Le gamin, j'avoue. Ah, je me fais mal, hein, l'auto, ça fait mal, hein. La voix est libre. Héros du Nexus. Genre, je vais aller les chercher. Oh, il manque mes autos, il manque mes autos. Pas mal de PV pour un mage. En même temps, c'est un mage, c'est un mage qui s'avance énormément. J'ai envie de le terroriser lui. Là, là normalement, s'il joue bien, il met la mine. Ah ouais, non, fallait pas faire ça. Pas faire ça non plus. Ah, je suis mort. Bon, ils ont raison. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Par contre, là, s'il est bon le chacal, en fait, quand il me voit eux, il prépare la mine et je suis mort en fait. Parce qu'au moment où je reviens, pouf, je repars. C'est combien de timing? C'est 2 secondes, 2,5 secondes. Ce qui vient avec ces tultes aussi, c'est que t'es mort, bah tu peux aider. Oh putain, là il va y avoir de l'ult. Ah mais non, mais elle rentre dedans elle. Oh, j'espérais qu'ils allaient s'en sortir. Oui, par contre, ce match sera pas forcément fou contre Garrosh. Ouais. Oh là là, il est pas bien. Que notre ennemi soit révélé. Karthus. Recevez le coup de mon impitoyable colère. C'est quoi ces ults? Alors, tu as... Mais non, mais j'ai...
J'ai fait une vidéo de spotlight. Allez voir, mais en gros, il y a un ult qui touche Cam Cartus quoi. En gros, toutes les 120 secondes, enfin toutes les 120 secondes, t'as un ult qui touche tous les héros ennemis et qui slow et qui révèle aussi. Et l'autre, c'est un route qui met beaucoup de temps à casse. Oh. Ah ouais. Elle rentre pas dans le. Elle est con. Ah, le stun fait chier. Vous voyez, elle prend des types de dégâts supplémentaires en fait. Hop. Cette ult peut chain plusieurs fois si ça reprend un kill à chaque fois, il reset. En fait, le ult, quand tu touches, quand tu prends un kill sur un mec, ça relance automatiquement le R. En fait, comme le laser d'Artanis au 20, vous savez. Genre, si tu tues quelqu'un, boum, ça repart instant. Et j'ai pas compris moi au début ça. Merci à toi Dark Scorpio pour les 7 mois d'affilée. En plus le style de DPS, un auto-attaque, un mage. Non, c'est juste que c'est du... Ça ressemble à un... Ça ressemble un peu à un Gul'dan. Il a du burst, hein. Il a vraiment du burst, hein. Merci à toi Dark Scorpio. Il relance qu'une fois. C'est pas à chaque fois. Ah, ça relance une fois, ouais, non, d'accord. On va accompagner. Ouf. Je l'ai pas eu. Merci à toi Erdraco pour le sub. Merci à toi. Là c'était en assist. Je voulais pas le kill, je voulais juste assist. Et ça slow aussi, donc ça peut sécuriser un kill. Le passif va être nerf, tu viens de permettre. Ouais bah c'est, en fait si tu veux, je sais pas si t'as vu, c'est mon 13 et 1 en fait. C'est pas ce niveau, c'est pas ce passif en fait. C'est que maintenant les auto-attaques de base activent le passif et j'ai le 13 qui touche en zone. C'est pour ça que je pense que ce build, moi je vais adorer en fait. Là ce build, je vais surkiffer de ouf. Hein. Surtout que le Z peut me permettre de... Oh, pff. Les enfers sont parmi nous. Les ombres voraces se lamentent. Ah, il extrait. Et je m'attendais à ce qu'il soit faible contre le dive et il est pas trop mal en vrai. Ça dépend un petit peu mais... Oh putain. Qu'est-ce que je viens de mettre là? Ah, j'ai loupé. Oulala. Là je pense qu'il a paniqué hein. Oh putain. Il l'aide pas mal contre les dive. Bah ouais, c'est ça en fait. Il est assez tanky et surtout contre le dive. Après, avec mon build, je trouve que c'est pas mal contre le dive. Sinon, c'est chaud. J'ai l'impression que l'objectif est useless. Bah, après, là, je pense que sur n'importe quelle carte, si on commence à exploser. Parce que là, on stompe les adversaires en fait. Donc, forcément, t'as l'impression que l'objectif est useless. Mais on pourrait être sur n'importe quelle map. Si tu stompes autant l'adversaire, tu peux tout droit. Mais en vrai, l'objectif sur les maps. Je vais dire un truc qui va fâcher, bien sûr, mais il sert à rien. Concrètement, l'objectif, si vous pouvez finir la game, l'objectif, il vous sert à rien. Du coup, à quoi sert l'objectif? Quand c'est serré, quand c'est dur, il faut justement... L'objectif peut vous servir à prendre la main. Mais quand vous êtes en train de gagner, ça sert à rien de jouer sur l'objectif, en fait. Enfin,
Ça dépend des maps, ça dépend de tout, mais là, là par exemple, on est tellement en train de les écraser qu'en fait, jouer l'objectif, c'est pas forcément très intéressant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous pouvez finir la game, allez pas jouer l'objectif, c'est complètement débile. L'objectif, c'est la game en fait. Mais il a l'air vraiment cool, hein. Il a l'air vraiment, vraiment cool. Ouais, là, j'ai fait très, très mal, hein. Là, je l'ai ressenti, j'ai fait très, 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 très mal. Et je pense que je suis tombé amoureux de mon build. Là, je pense que j'ai trouvé mon build. Je vais tester d'autres trucs, ne vous en faites pas, mais j'ai trouvé mon build. C'est-à-dire que les auto-attaques de base qui réduisent le CD, ce qui fait que t'as tout le temps le Z, t'as ton E aussi très souvent, ton A, le shield très fort aussi, l'armure impie pour les 20 d'armure parce que bon, on sait jamais, l'orgie d'âme c'est quand même vraiment cool pour finir, pour assister à un go-in même si t'es pas là, etc. Les auto-attaques de zone, ça t'offre du dépush, tu peux te servir des structures pour toucher derrière, ça spread le niveau 1 et le 16 qui fait que maintenant quand je Z, si je mets l'auto avec les shards, ça fait proc ça en zone et ça fait proc ça en zone. Plus, mais de toute façon ce 16 là, quel que soit le build, pour moi il est trop fort. C'est trop fort. Du coup, voilà. Si, je vais faire tourner. Du coup, bon, je vais faire tourner une place, c'est pas énorme. Mais il reste une place si vous voulez. Merci à toi Evirus du coup. Il a l'air vraiment cool. Il a l'air vraiment vraiment cool. Je vais tester un autre build, ensuite je vais tourner, je vais faire partager au couping. Partager au coupin, je jouerai Tyrande un peu après je pense. On va tester le route cette fois. J'ai pas envie de faire un build Z, mais on va tester le Z au 1. Le Z au 4 est en pourcentage des dégâts infligés, du coup le 1 peut te faire mal, à moins que ça ne compte pas comme les dégâts de Z. Si, c'est des dégâts supplémentaires donc si. Je sais pas si ça compte avec le shield de Z au 1. Ralentit les ennemis et l'autre augmente les vitesses de déplacement. Ça, je pense que c'est pas terrible. Ça joue entre ça et ça. Ça et ça, c'est trop fort. On va voir. C'est proc ça en zone et ça en zone. En fait, le niveau 1, c'est chaque auto-attaque de base qui touche des ennemis. Ça réduit. En fait. Ça réduit le temps de recharge de vos capacités de base de 0,75 secondes. Comme un élan du combat en fait. C'est l'élan du combat de Mephisto mais au niveau 1. Et ça, ça bénéficie de ça. Donc les attaques de base touchent aussi les cibles proches de la cible principale. Du coup ça active ce niveau 1 de base. En zone. Donc chaque mec qui touche 0,75 si c'est des héros ennemis. Et au 16, l'animosité. Alors j'ai mis un peu de temps à comprendre ce truc. L'animosité, donc quand vous appuyez sur Z... En activant le truc, c'est toutes les 15 secondes, ça va être nerf, c'est sûr. Ça prolonge la durée du Z de 2,5 secondes. Donc au lieu de durer 2,5 secondes, il dure 5 secondes en gros. tu fais doubler, tu doubles.